Et bonjour à tous! Donc, on est avec Tiz et aujourd'hui, on va vous montrer le Project Lazarus. Donc, Project Lazarus, c'est comme le Call of Zombies en gros, où le principe, on est dans un bâtiment enfermé et il y a des vagues de zombies qui arrivent et bah, il faut libérer les pièces et tout au début de la partie et avoir des armes. Il y a une caisse avec des armes mystérieuses quoi en gros. Donc, on a une chance de loot certaines choses quoi. Et on a des effets de potions à prendre et tout. Donc là, au début, on est un peu coincé. Donc c'est un peu plus dur, mais il va falloir débloquer les pièces. Donc là, on est à la vague 1. C'est la première fois que j'entendais les sons que je viens d'entendre. On aurait dit que c'était une sorcière qui criait. Je te jure. C'était complètement what the fuck. Pour l'instant, il n'y a pas de monstre. C'est le calme avant la tempête, parce que je vous dis qu'après, c'est pas pareil. Hein. Après, on va se faire tuer, mais comme pas possible. Hop! Donc, il nous faut 750. Ok. 750 pour pouvoir débloquer la pièce. Bon, bah, très bien. On va essayer, hein. Pour l'instant, je vois pas de zombies. Donc, on peut sprint en appuyant sur la touche shift. Donc, là, on va attendre que le zombie arrive. Voilà. Donc, j'ai les 750. Je débloque la pièce. Vous voyez, en appuyant sur F. Donc, on a une pièce en plus. C'est plutôt cool. Et ça va bien nous aider pour pouvoir avoir des niveaux. Donc là, vous voyez, après, il faut débloquer l'étagère. Donc il faut 1000. Et on a des armes sur les murs proposées. Et pour le moment, je ne vais pas les prendre. Parce que là, ce qu'on veut clairement, c'est pouvoir débloquer les pièces. Et là, c'est le côté où il faut activer l'énergie, quoi, en gros. C'est ça, hein, c'est l'électricité qu'il faut activer. Je sais pas où ça se fait, par contre. Et ben c'est en haut niveau où il y a la première caisse. D'accord. Dac, dac, dac. Eh ben écoutez, hein, on va faire ça tranquillou pépère les gens. On va voir ce que ça donne. Mais vraiment le Project Lazarus, je l'adore. C'est un bon jeu de zombies. On va essayer de vous montrer un peu tous les jeux de zombies auxquels on a pu tester dans les prochaines semaines. Donc là le Project Lazarus sera le premier parmi la série des jeux de zombies qu'on va essayer de vous présenter. Il y en a un qui doit se faire réanimer, mais c'est pas de notre côté. Ah bah ouais, bah on va avoir du mal à le réanimer là. Et avec F, vous voyez, vous réparez les portes qui sont cassées. What the fuck? Je lui tire dessus, il avait rien le gars. Ah d'accord, j'ai plus de munitions. Ah d'accord, j'ai plus de munitions. Très bien. Elle est pas mal la blague. Donc là, vu que j'ai plus de munitions, le seul moyen pour moi de me faire de l'argent pour pouvoir acheter une arme, c'est tout simplement de réparer. Donc le problème, c'est que pour le moment, comme on n'a pas accès à tout, réparer, ça peut sembler compliqué, les gens. Bon. À moins que quelqu'un tombe sur un Maxamo. Là, sinon, on est un peu dans la panade. Débloquer une pièce, j'aurais dû m'acheter une arme. Bon. J'ai pas joué la bonne strat. Je suis étonnée de plus avoir de munitions déjà. Le pistolet, il n'en a pas beaucoup. Ah, bah Il quand en même. a 32. Parce que là, je vais être en PLS, Non, si tu moi. veux, sur moi, il y en a. Il y a des planches à réparer. Yes, mais je suis. Je suis qu'à 290. Sans armes, ça va être chaud, hein. Voilà, la game de la loose, comme par hasard, c'est quand je vais faire un record, tu vois, que je fais une couille, tu vois. C'est systématique, on dirait. C'est débloqué. Yes. On va aller voir si des portes apparaissent là-haut. Je cours, je cours, je cours, je cours. Vers toi, parce que là. Moi, je suis pas safe du tout. Ah bah, nickel. Donc là, la machine qui est ici, c'est ce qui vous permet d'avoir une troisième arme. Mais franchement, moi je vous le déconseille parce que, en gros, si bah, vous avez une super arme sur votre troisième slot et que vous mourrez, bah, vous la perdez quoi. Et c'est dommage. En bas, ça doit être cassé parce qu'il y a un zombie qui vient de monter. Yep. Hop, on va y retourner. Ouais, en bas, il y en a un à réparer. Nice. On va aller se prendre une arme. Écoutez, on n'a pas le choix. Prends le mini pistolet, mitrailleur. Ah ouais, il est bien. Ça va. Pour les manches, pour l'instant, il est bien. Débloqué en haut. C'est le pistolet qu'il y avait en bas, le premier?
Ouais, le sort de pistolet mitrailleur sur le tableau. Ah oui, là. Pour l'instant, c'est Mais il débloqué faut en haut, 1000. j'ai ouvert une nouvelle porte. Faut 1000, il faut 1000. Faut que j'attende. Non, faut 500 normalement. Bah non, parce que là on augmente en vague, donc apparemment c'est plus cher. Recule. Ouais. Hop. Attention Oh, derrière. les gens, ça pue. Ça pue en Russie. Ah, j'ai les 1000, je vais pouvoir aller chercher l'arme. Je vais chercher vite fait l'arme, j'arrive, je vais t'aider. Ouais, je commence à avoir besoin d'aide. Je suis dans Revive 1 en bas là. Hop, vite. Si, il est où? Il est là. C'est bon, on est au courant, viens activer. Oh non, il faut 1000. Bah là, désolé, je suis reparti à zéro, mais. Dès que je peux, je le fais. Sur moi, j'aurais besoin d'aide. On les a eu les gens. On s'en sort pas trop mal. Il y a ça à réparer donc hop. On est bien. Attention. C'est quoi? Un statue. Oh, mais j'ai une balle. Waouh. Donc c'est là que tu disais ok. C'est bon, j'ai assez. Nice. C'est bon, tiens, vas-y, viens activer le courant. C'est la manivelle. Ah c'est ça, ok, moi j'avais jamais capté, je l'ai jamais fait, tu vois. Sympa. Et du coup ça va. Ok, 1000. Yes. Et c'est bon, Je j'ai les la ai. Je les ai. Quasi. Alors. Il faut trouver des zombies maintenant, les gens. Histoire de pouvoir avoir l'argent. Hop. On entend qu'ils font gros, mais je sais pas où ils sont. Bah écoutez, il y a des trucs à réparer là, on va les réparer histoire d'être bien. Mais voilà, je crois que le projet Lazarus, en vrai, c'est très dynamique comme jeu. Faut suivre. Et on n'a pas le temps, enfin, on peut pas être posé. Si vous perdez l'attention sur le jeu, bah vous mourrez clairement. Ça commence à monter vite. Ouais, voilà, j'ai l'argent, je vais remonter. Il y a 3 personnes en bas, ils vont pouvoir gérer les zombies quand même, faut pas pousser. On va débloquer la porte, histoire de pouvoir accéder partout. Bah, je te conseille d'abord d'acheter peut-être une caisse avant de débloquer la. Ouais, pas faux. Allez, pas faux. Pas faux, pas Oh faux. yes, maximum. Bah, change à la place de ton pistolet. Prends Ah cette arme à la place. oui. T'inquiète. C'est ce que j'allais faire. Alors, du coup. Ouais, je suis à 560. Oh, elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Pour les prochaines vagues, elle sera pas bien du tout, mais pour celle-là, c'est rien. Parce qu'en fait, on monte vraiment d'un coup au niveau de la vitesse d'attaque. Maximo. Pour le moment, il ne sert à rien. On n'a pas des armes de folie, mais bon, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai de l'argent. On va pouvoir retourner pour la. Non, c'est par là, hello. Ça, par contre, c'est un moulin parce que tout se ressemble, les gens. Donc, il faut vraiment connaître un minimum la map. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu chiant. Alors, Je on vais prend aller notre tanker, cap. je pense. Je vais aller prendre la potion pour le temps. D'accord. Bah, j'ai débloqué l'autre porte, en tout cas. Je vais continuer à tuer des zombies. Ah, celle-là aussi, il faut la débloquer, 750. Bah, j'ai assez. Ah, j'ai pas assez pour acheter le truc. Oh nickel, on a débloqué pas mal. Allez, rechargez l'eau, recharge. Oh les gens. Kaboum. Bon. C'est pas top le kaboum en vrai les gens, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de zombies à tuer, mais bon. Quand on Ouais, mais tu arrivera dans gagnes les vagues. l'argent. Ouais, mais quand on aura les vagues dures, ça fera plaisir un kaboum. C'est vrai qu'au début, on arrive facilement à gérer, gros, les premières vagues. Mais il faut arriver dès le début de la vague par contre. Si vous arrivez par exemple dans la vague 10 et que vous n'êtes pas armé. Ouais, non. Vous vous faites violer là d'une puissance. C'est hallucinant.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous proposer comme arme? Ah, je sais pas trop quoi faire. Non, je la prends pas. Ça m'a pas l'air terrible. Mais allez! Voilà, meurs Gaston, parce que là tu m'enquiquines. Alors, Tiz est par là, on va aller revoir vers... on va aller retourner vers Tiz, écoutez. Ah, bah y a des zombies, on va pas se faire plier pour les tuer, je vous le dis direct. Hop! Voilà, on en tue pas mal. Donc, on va essayer. C'est bon, je peux tanker maintenant, j'ai la popo. Nice. C'est celle du bas. Ouais, la rouge. Ouais. Je vois c'est laquelle. Je me souviens. Bon, je vais vous montrer les potions vraiment à prendre et qui sont bien. Alors, oh tiens, il y a celle aussi de... bah, qui tire deux balles en une. 2500 pour le moment, c'est trop pour moi. Mais. T'as combien sur toi? Je suis qu'à 850 parce que j'ai ouvert 3 portes d'un coup. Ah oui. Bah parce que si tu vas à 2000, il y a celle qui t'augmente les dégâts. Yes, je vois. C'est celle de l'étage. Pour une fois, il y a personne sur les. Sur le quai. Ouais, d'habitude les gens, j'arrive jamais à avoir de quai, je vous avoue. Je me fais toujours avoir entre guillemets. Oh punaise. Pourquoi mon AK voulait pas se recharger? Alors là, toi tu vas crever le zombard. Punaise, mais. Allez l'eau. Faut faire vraiment attention les gens parce qu'il y a des zombies qui viennent dans tous les sens. Bah nickel le carpenter, ça va aider à garder les zombies où il faut. Alors on va aller chercher du coup la petite fiole qui vous permet de tanker un peu plus. Insta kill. L'insta kill, ça fait plaisir. Alors, on va prendre la petite fiole qui permet de tanker, là. Hop, dès qu'on a 2000, on ira chercher la prochaine. Comme ça. Et vous voyez, en bas, ça vous met les effets. Donc là, la petite croix, vous voyez, c'est comme quoi on tanque un peu plus. On a un peu plus de vitalité, on va dire. C'est plutôt cool. Donc, on va réparer un peu tout ça. Écoutez, pour le moment, on voit pas d'autres zombies. Donc on va se faire de l'argent comme ça. Et c'est plutôt bien. Donc là je vois personne pour le moment. Ça a l'air calme. C'est le calme avant la tempête, je vous le dis. Parce que c'est rarement calme au bout d'un moment. Allez, crève toi, merci. Monsieur, bonjour, au revoir. Hop. On va mettre... dès qu'on a les 2000, on va aller chercher le... Ah, il est pas vers nous le zombie. Wow, punaise, j'ai plus de munitions. C'est pas vrai. Tiz, tu vas pas me croire, j'ai plus de munitions. Comment t'as fait? Oh, punaise, j'ai plus de munitions. Où est-ce qu'elle est la caisse? Sur les deux armes. Ouais, j'ai plus de munitions sur aucune des deux. Elle est où? Ah, j'ai plus... Oh. J'étais pas rendu compte, les gens, que j'avais plus... Oh my god. Je vais refaire... Je peux refaire une caisse ou pas? Non, 950. Ah, punaise, j'ai économisé pour ma potion, les gens. Je me suis fail, là. Oula, bah, c'est le moment de tester notre nouvelle arme. Kaboum. Donc, ça fait plaisir, le petit kaboum, les gens. On peut refaire une caisse, donc on va en refaire une, on va pas se prier clairement, parce que sinon on va être un peu en PLS. Ah, c'est la première fois que je l'ai. Le laser. Je l'ai. Oui, c'est la première fois que je l'ai. Oh, trop cool.
Bah évite de l'utiliser tout le temps, genre essaye-le de garder Oui, en deux. mais les gens, j'ai l'arme la plus cheatée du jeu. Oh my god. Non mais j'ai utilisé l'autre clairement, mais putain ça fait plaisir. La première fois que je l'étise. Pour une fois j'ai de la chance. Pour une fois. D'habitude j'ai que les armes à la Schtroumpf, franchement, et c'est compliqué. Par contre, Max Amo, là, ça ferait plaisir. Bah je vais tenter d'essayer de te la voir, mais bon. Là c'est Oh, une j'ai fait question le de chance. Joker. Voilà. Ah, c'est la première fois de la game qu'elle bouge, hein. Donc on a la vague 8 déjà les gens. Donc dès qu'on a passé la vague 10, croyez-moi, là on va voir la différence. On voit un peu plus la différence. Donc je répare toutes les fenêtres. Parce que clairement il va nous falloir un peu d'oseille pour pouvoir acheter les autres potions que je vous explique un peu à quoi elles servent. Là vous voyez il y a la potion pour revive. Donc ça permet de ressusciter les gens plus rapidement. Pourquoi il se recharge pas lui? Oh, tease. Je crois que je vais avoir ma première mort. Oh bah t'as Sors la l'arme deuxième là. arme, hein. C'est bon. Si t'arrives pas, sors la deuxième. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que j'avais le laser. J'ai rien compris à ma vie, moi, je croyais déjà. J'aimerais bien avoir maximum parce que j'ai quasiment plus de... Enfin, j'ai une deuxième arme, mais... Elle est pas ouf. Si, je pense qu'elle est ouf parce que... Elle a pas beaucoup de mieux. Oh, maximum, je l'ai. Ah, moi j'ai le double point. Alors, les gens, ouais, on a 2300. On va aider le gars là. Va le revive. Quel gars? La caisse est en bas. Ok, j'arrive. Je vais en faire une. Je vais en faire une après. Parce que ma deuxième arme, je la trouve pas ouf. Il y avait une personne en train de se faire la caisse et puis il y avait l'autre qui avait besoin d'être revive en train de descendre. T'as eu l'arme à la con, toi? L'arme est bien mais seulement au premier. Ouais, au tout début quoi, mais franchement là maintenant, là où on en est, c'est beaucoup plus chaud quoi. Bon, écoutez, je tente parce qu'en vrai, l'arme que j'ai me convient pas du tout. Donc on a toujours. Ouais, on a toujours 2000, donc on va aller à l'étage chercher la potion qui vous permet. Elle vous permet de faire plus de dégâts, c'est ça hein, le tease. La Ouais. fille. C'est bien ça. Hop, on va aller chercher celle-là. Qui est. Pour l'instant, c'est moi qui ai le plus de Insta-kill. kills. Insta-kill, là j'ai eu. Ah ouais. Hop. Alors on va y aller, donc il faut passer par là. Mais vraiment, ouais, faut. Mais vous allez vite retenir la map, hein, en vrai. Ça va très très vite. C'est juste que c'est vrai, la première game, au début, on est un peu perdu, mais. Alors voilà, là, on va avoir. Plus de Pour une puissance balle, c'est d'épée. comme si t'en tirais deux. Yes. Donc c'est plutôt cool, ça. Comme Popo. Et du coup, il nous manque la Popo pour revive. Et pourquoi pas tenter d'avoir la troisième arme, vu que. On a sur nos deux premières cases. L'arme ultime. Donc je me dis que la troisième arme là, elle peut être bien. Wow, regarde tous ceux qui sont KO. Ouais, je vais essayer d'en revive, mais là je t'avoue qu'il y a plein de zombies. Je t'avoue que les faire revive, ça va être chaud là. Hein. C'est possible, mais moi là j'ai besoin d'aide. Bah j'arrive, 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 j'arrive. Va revive celui qui a un ad. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Ah bah attends là j'ai plein de zombies devant moi, donc je t'avoue j'essaye de. C'est bon, c'est bon. Je veux bien t'aider quand il n'y a pas de zombies devant ma tronche. Parce que là il y en avait 15. Ils meurent C'est tous un ouf. par un. C'est bon, il meurt.
C'est bon. Alors, utiliser. Je suis là. Ah, c'est bon. Donc on a fait revive tout le monde. Ah, il y a Nordine dans la game. C'est un des abonnés, les gens. Alors là, vous voyez, c'est la potion qui permet de faire revive les gens plus rapidement. Bon, oh, j'ai la WAP. Alors, on va essayer de pas mourir. J'ai bien dit que j'allais essayer. Je vous promets rien. Double point. Ouais. Elle est pas mal l'arme que j'ai eue là. C'est plus mitraillette, mais j'aime bien. Alors. Il y a tellement de zombies, j'ai même pas le temps de recharger. Ah, Nordine. Putain. Ah, les gens! Moi aussi, j'ai trop de zombies, du coup, j'arrive pas à recharger. Je vais rire. Kaboum. Alors vous voyez les gens, c'est malgré tout un peu sportif hein, comme jeu. Faut vraiment être à l'attention et à l'affût partout. Parce que sinon franchement vous mourrez très vite. Carpenter, ok, bon, ma foi. Ça pourra toujours nous aider un peu. Alors. On est au niveau de l'étage, là où il y a les escaliers. Combien elle coûte la potion là? 3000? Ah, je les ai. Bon, écoutez, pour une fois, je la prends parce qu'on a une sacrée arme dans les deux premiers slots. Donc, ça permettra juste d'avoir une arme en plus. Ah, celle-là, elle est très très bien, mais elle recharge très très lentement. J'ai pas de bonnes armes, ça me saoule. Ah, toi t'as pas eu de bol, contrairement à moi, pour une fois. On est passé à une autre vague, les gens. Vague 11. Vague 12. On ah, passe oui, vague 12, 12. Ouais, c'est vrai. Ça met du temps à afficher, du coup, j'ai cru que c'était la vague 11. Bon, bah, on va voir combien de temps on va rester en survie. Je sais pas le combien on a fait le max, je me souviens plus. Je crois que c'était 20, il me semble. On a tellement fait des vagues. Je ne sais plus. Joker. Oh, flûte. Va falloir qu'on retrouve la caisse. Oh, ça, elle va être à l'étage, du coup. Je pense. Ah, vous voyez, les gens, faut vraiment être à l'affût tout le temps. Parce qu'il y a tout le temps des zombies. J'ai plus de balles dans mon... Allez, recharge-toi. Ok, j'ai besoin d'aide. Bah, ce que c'est que j'ai plus d'air. Non, c'est bon. À part le laser, et du coup, comme j'ai vu de l'utiliser, faut que je trouve la caisse. On va essayer d'esquiver les zombies, les gens. Je vais quand même prendre notre arme au cas où vraiment on est en ultime galère. Donc j'ai trouvé la caisse. Donc il va falloir se débarrasser des zombies. Donc il faut que je me serve du laser. J'ai pas le choix. Kaboom et Carpenter. Ok. Bon bah nickel. Hop. Voilà, j'ai plus en celle-ci elle est bien. Bah ouais, mais j'ai plus de munitions. J'ai pris la potion pour la troisième arme. J'appuie sur 3 mais ça fait rien. Tu crois que ça va me le mettre automatiquement? Bah regarde en bas à gauche déjà si t'as le temps. Ah nickel. Oup. Ah ouais la WAP, j'aime pas trop la WAP en vrai. Oh oui. Oh ouais mais j'ai pas les bonnes armes. On pas le choix. Hein. Si j'ai le ray gun, bah j'ai le meilleur stuff. Ah le ray gun, je l'aime bien en vrai, j'avoue. J'aime pas la WAP, moi j'arrive pas avec les snipes, j'aime pas les snipes. Ah, il y en a, il va mourir. Ah
Ah putain, on a déjà eu le Joker, t'as vu? Ouais, c'est rapide. On a pas fait beaucoup de caisses là. Hein. Bon. Il va falloir qu'on trouve la caisse, les gens. Donc elle est pas ici. On va falloir faire un tour en bois du coup. Insta-kill, ça va plutôt nous aider ça. En attendant de retrouver la caisse, donc elle est pas ici. Est-ce qu'elle est là-bas? Vague 13. Yes. Donc elle est à l'étage. Elle est pas en bas. Il y a deux emplacements en bas, elle y est pas. Donc c'est parti. Alors, où est-ce qu'elle est la caisse, les gens? Parce que moi, j'arrive pas avec la WAP. Hein. C'est pas possible. Elle est au niveau de la truc d'électricité. Ok. Je reste à côté de Nordine, du coup, les gens, parce qu'il est en train de faire une caisse, histoire qu'il meure pas. On va s'ajouter gentil avec les copains, quand même. Hein. Ah, celle-là, elle est pas mal, en vrai. Yes. Bon, j'essaie de me refaire une quand même de caisse. On va déjà laisser les copains faire une caisse. Tu t'en sors bien avec la WAP en vrai. Oh nice, Max Ammo. Oh, le mec il vient d'arriver dans la vague, il a le pistolet de base. Le pauvre. Ah, vous voyez là, c'est beaucoup plus sportif les gens. Donc désolé, parfois le commentary n'est pas trop là parce que bah... Voilà, on se concentre aussi si on veut pas mourir. Donc parfois ça fait qu'on parle moins, mais... En vrai, si vous aimez les jeux un peu de zombies et tout, et les jeux de tir, testez parce que vraiment... C'est bien faire entre amis. Ouais. Ah ouais, après faut être plusieurs parce que vraiment, voilà, c'est un jeu de coopération quoi, un minimum. J'ai level up. C'est rare quand on est qu'à deux sur ce jeu, mais là les gars étaient pas trop dispo. Mais vraiment, d'habitude on est 4-5 et franchement c'est kiffant. Hop. Allez, recharge-moi l'arme toi. Il y en a encore qui arrive. Eh, on s'est bien assiégé là quand même hein. Et le nombre de fric qu'on a, je crois que je vais tenter de faire des caisses hein. J'ai 17 000. Bah ouais, c'est ça le truc. C'est la première fois que j'ai autant de fric, je crois. Eh, je suis pas morte encore depuis le début, je crois. Moi non plus. J'aurais pas dû le dire, je vais me porter la poisse. Qu'est-ce que t'en dis, je vais me porter la poisse. Petit zombie, il y avait longtemps. Alors, est-ce que la caisse est toujours là ou elle a disparu? Ouais. Je l'ai. Yes, je vais refaire une du coup. J'avoue que ma troisième arme, je la trouve pas folle. Bon, on va laisser les petits gars, ils sont encore dessus. Non, il va mourir. Elle est vraiment pas folle celle-là d'arme. Ouais, elle est pas folle du tout les gens. Alors poussez-vous, moi je vais faire une caisse. Bordel de Joe. Ah, c'est pas pour moi la caisse. Alors c'est qui la prend là? Prenez la bon sang de bordel de Dieu là. Insta-kill. On se fait assiéger okay. Alors qu'on est... Oh, on va tous crever. C'est bon, tout le monde a revive. Non, il y en a un qui... Ah doit... ouais, mais il est là-bas l'autre bout, lui, putain. Fallait le chercher vite.
Allez, on va à sauvetage, les gens. C'est parti. Où est-ce qu'il est, le mec? Ah bah, il est mort. Non, c'est bon. Hop, c'est bon. On y arrive, les gens. Voilà, on arrive avec tout le monde. Un jeu d'équipe. Ah, grave. Alors, la caisse est toujours là-bas ou... Non, elle est là, elle est là, elle est là, sur moi. D'accord. Attends, il y en a un qui... Oh, il y en a, le Raygun Nordin. Oh là là, on le veut, nous, le Raygun. On l'aime bien, cette arme. Mais moi, je l'ai pas, je l'avais. Moi, je l'ai d'habitude, mais là, non. J'ai eu l'autre arme, pour une fois. Celle que j'avais jamais eue. Maxamo! Ah, Nordin, il refait une caisse. Il a la meilleure arme, mais il en refait d'autres. Bah ouais, parce que nous aussi, on aimerait bien en faire des caisses. Allez, Nordin, laisse-nous la place. Non, j'ai rien vu, il vient de changer son Raygun par un désert. Bah, peut-être, c'est un malade. Ah ouais, chaud dans le game. Moi, j'aurais jamais fait ça, perso. Franchement. Moi, j'aurais jamais fait ça. Non, j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est moi. J'en ai aucune idée. Bon, on sera... Ah, ah, ah. Ouais. Je crois que j'ai jamais... Non, il l'a pas changé. Il a encore son Raygun. Là, je suis contente d'avoir l'arme ultime, hein, parce que punaise. J'ouvre plein de caisses, mais j'arrive pas. Là, il y en a un à faire revive, mais il y a plein de zombies, mec. Attends, j'arrive. Ah si, j'ai réussi à le faire revive. Punaise. Et là, c'est moi qui vais mourir. Oh là 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 là, hello, 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 barre-toi de là. Barre-toi de là. J'ai fui les gens parce que là, franchement, j'avais l'écran rouge. C'était pas possible. Mais vraiment pas. On a aidé quelqu'un au passage. On va tuer les zombies qui sont devant nous. On va redescendre parce qu'à mon avis, la population est encore en bas. On va essayer d'arriver par un autre point. Histoire de voir si on va réussir à tous les enfumer. On y va, on court. Un Carpenter. Ça va les ralentir un peu. Kaboom, nickel. Ça va aider. Alors, on va essayer de réparer un peu les portes et tout. Non, ça a été fait tout seul. What the fuck? Bon, la caisse du coup. Sur moi. À l'étage? Ouais. Ok, j'y arrive. Je viens de me débarrasser de la WAP. Je tombe sur quoi? Sur la WAP. Oh punaise. La loose. Par contre, l'arme que j'ai pris, elle est pas ouf. Y'a un zombie coincé là. What the fuck? Alors, les gens, vous avez vu vraiment ces stratégies là. Ils ont fait le jack. Ouais. Allez, recharge l'eau. Je suis bien content d'avoir cette arme. Bon, par contre, là, il faut que je recharge. Level 9, je suis. Ouais, moi, je sais pas du tout quel level je suis. Bah, je viens de passer level 9, en fait, c'est pour ça. Oh, punaise. Non, hello, 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 hello. Hello, ta vie. Ouais, mais du coup, maintenant, c'est moi qui suis tout seul en bas. Ah bah attends, je redescends. 30 secondes.
En fait, je t'explique, j'ai plus de munitions nulle part, punaise. Je suis morte. Première mort. Mais moi, je suis mort. Ah bon, on est tous deux morts. Très bien. Max 16 pour l'instant. J'espère que les gens vont réussir à nous revive. Ah bah. C'est bon, j'ai réussi. Merci. Mais j'étais dans le rouge. J'ai toujours pas de munitions. Punaise, mais. Change, je fais une caisse. Ouais, oui, mais c'est ce que je suis en train de faire. Mais là, il va falloir. Ouais, il va falloir que je fasse une caisse. Mais le problème, c'est que j'ai jamais le temps d'en faire. À chaque fois que j'arrive, c'est le Joker. Ah, mais c'est vrai, en plus, on a plus de caisse. Punaise, je vais quand même mourir. Oh, je suis quand même mortise. Deuxième mort, les gens. Oh, punaise. Mais on va pas y arriver. Oh, je suis déjà morte. What the fuck? T'as vu ça? On s'est fait violer, là. Je sais pas, c'est que j'ai une bonne arme, mais j'aurais besoin que quelqu'un vienne me réveiller. Bah, moi aussi, j'ai de bonnes armes, mais là... Oh, bah, game over, les gens. Voilà, on a tous perdu, on est tous morts. Bon, bah, voilà. RIP, j'ai envie de dire. Bon, bah voilà, on vous a partagé notre petite game de Project Lazarus. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à donner des retours. On pourra vous refaire une game à l'occasion avec tous les copains. Comme ça, on sera vraiment plus nombreux et ça pourrait être cool, quoi. Donc voilà, on vous laisse ici pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous !